remets ça au Seigneur. Fait que Seigneur, on se remet entre tes mains, afin que par ta parole, tu puisses encore une fois nous instruire, illuminer notre entendement, voir le côté important de la vie de l'Église. Merci, dans le précieux nom de Jésus. Amen. OK, donc on était rendu au point 4. Merci d'être venu ce soir, pendant qu'il fait encore un petit peu doux. Demain, je ne sais pas s'il va y avoir bien du monde pour le cours, par exemple, parce qu'il paraît qu'il va mouiller solide. Le point 4 sur toujours le chapitre 26, qui est l'Église, ça nous dit « Le Seigneur Jésus-Christ est le chef de l'Église. En lui est investi, par le décret du Père, tout pouvoir pour l'appel, l'institution, l'ordre et le gouvernement de l'Église d'une manière suprême et souveraine. Le pape de Rome ne peut être le chef de l'Église en aucun sens, mais il est, là c'est, n'oubliez pas, c'était écrit dans le temps de la Réforme, là, ils sont un peu raides, mais il est cet antéchrist, cet homme de péché et fils de perdition qui se dresse lui-même dans l'Église contre Christ et contre tout ce qui est nommé Dieu. Le Seigneur le détruira par l'éclat de son avènement. » Il ne faut pas oublier qu'il y a des époques. Hein? C'est vrai qu'à l'époque, l'institution catholique était assez violente. T'sais, on brûlait du monde, on y tuait. Et puis, mais je pense que la leçon qu'on peut quand même tirer du point ici, sans aller peut-être dans cet extrême, parce qu'aujourd'hui, je ne pense pas... Mais ça, c'est un point fort. C'est une discipline en tant que pasteur de ne pas dire « mon monde, mon Église ». Il faut toujours dire « l'Église de Christ, les gens que le Seigneur a rachetés ». Ben, ça, c'est très important. Ça a l'air de rien, là, mais tu sais, les mots jouent dans ta tête avec le temps. Puis, on n'a pas le droit de s'accaparer l'Église comme étant une entreprise privée, comme si ça nous appartenait. Ça, c'est très, très important parce que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a payé par son sang, par sa mort, à la croix, le rachat de tout son peuple. Et comme Paul l'a dit aux anciens qui étaient à Éphèse, qui sont venus le rejoindre à Milet, dans les Actes, le Seigneur vous confie les gens qui s'est racheté. Donc, puis comme dans l'Épître aux Hébreux, c'est important de voir comment on peut coacher, enseigner, aider, au fond, l'équipe au complet, parce qu'on est une équipe. T'sais, on n'est pas un clergé et des laïcs. Là. C'est, on est tous prêtres, comme il est dit dans Apocalypse au chapitre 1. On est un royaume de prêtres. Et le Seigneur dit qu'il le fait pour Dieu son Père. Et donc, c'est pour ça que nous tous, on peut tous prier les uns pour les autres. Et puis, parce que finalement, on est un peuple, le peuple du Seigneur Jésus-Christ, racheté par son sang. Maintenant, il n'y a pas juste dans l'Église catholique des gens qui possèdent l'Église. Malheureusement, ça peut exister dans d'autres églises, autant évangéliques, ainsi de suite. Là, t'sais. Ça, c'est très important. Toujours parler des gens que le Seigneur a rachetés, et c'est toujours l'Église de Jésus-Christ, jamais la nôtre. Colossiens 1, 18 nous dit « Il est la teinte du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. » Ça, c'est assez clair. Matthieu 28, le Seigneur leur dit aux disciples, versets 18 à 20, « Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ça, c'est vraiment un passage important parce que, d'abord, le Seigneur nous rappelle que le Père lui a donné à lui tout pouvoir. Donc, c'est lui la teinte du corps, comme il est dit dans Colossiens. Et puis, c'est, au fond, notre vrai travail ensemble, là, c'est de chercher
D'abord, par les Écritures. C'est sûr que déjà dans les Écritures, il nous donne les grandes lignes de toute sa volonté. Prendre soin des affligés, annoncer l'Évangile, enseigner sa parole pour qu'on puisse faire des disciples, tu sais, pour observer ses commandements. Parce que dans Jean 13, 14, 15, ainsi de suite, là, ben, le Seigneur Jésus dit, si vous m'aimez, puis ça c'est normalement la caractéristique de l'enfant de Dieu, né de nouveau, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Mais si vous ne m'aimez pas, vous ne gardez pas mes commandements. Donc ça, c'est très important pour nous de voir comment je vis devant le Seigneur. Pour toujours faire très attention de ne pas tomber dans une forme d'illusion. Tu sais, parce qu'on est, on peut être assez fort des fois pour se raconter des histoires. Tu sais? Donc, on évalue finalement par rapport à comment on vit. Éphésiens 4, versets 11 et 12 nous dit, « Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. » Si vous remarquez ici encore quelque chose d'intéressant, c'est le Seigneur qui donne le ministère. Ça, c'est très important aussi. Tu sais, je ne sais pas, moi, l'apôtre Paul... Quand il était à Jérusalem, il n'a pas été voir dans l'église s'il y avait un poste d'apôtre à appliquer. Comme il dit, j'ai été appelé selon la volonté de Dieu à être apôtre. Et puis, être apôtre, c'est quand même assez intense parce qu'il faut que tu sois un témoin de la résurrection de Christ. Parce que lui-même le dit, le Seigneur lui est apparu. Fait que c'est, parce qu'il y a des gens qui s'auto-proclament apôtres aujourd'hui, ils ne le sont pas. Il se raconte des histoires encore, là, tu sais. Parce que selon les Écritures, tu es supposé d'être un témoin de la résurrection de Christ. Fait que, à moins que vous ayez vu en physique Jésus-Christ avec les trous dans ses mains, puis qu'il vous a serré la main, vous n'êtes pas apôtre. Point final, une barre. On peut avoir un ministère. Par contre, moi, je pense qu'il y a de la confusion souvent entre l'apôtre et l'évangéliste. Parce que l'évangéliste, c'est celui qui a un fardeau de sortir l'évangile. Tu sais? Maintenant, on devrait tous l'avoir parce que plus on vit notre marche avec le Seigneur, plus on découvre, tu sais, l'amour que Dieu a eu pour nous, un amour pas conditionnel. C'est un amour inconditionnel par pure grâce. Et puis, on est pleinement accepté par lui, en Jésus-Christ. Et ça, ça désamorce en nous facilement tout orgueil, tu sais, de l'arrogance. Tu sais, des fois, on essaie d'être meilleur que les autres pour être accepté, pour être aimé. Mais ça, c'est l'esprit du monde. Mais dans le Seigneur, on est comblé par l'amour du Seigneur. Puis, n'ayez pas peur de demander régulièrement au Seigneur qu'il vous montre comment il vous aime. Parce que c'est ça qui nous donne une très grande liberté dans le Seigneur, d'être serviteur et non pas quelqu'un qui essaie de dominer pour devenir quelqu'un d'important. Éphésiens 4, nous, comme on l'a lu, on voit ici que c'est le Seigneur, il a donné les uns. C'est lui qui donne l'onction de chaque ministère. Et chacun de nous, comme Pierre le rappelle dans son épître, on a tous, par la nouvelle naissance, un ou deux dons de la part du Saint-Esprit. Tu sais? Il y a des gens qui ont vraiment l'onction d'être diaconal. Ils vont facilement voir les besoins des gens. Et puis, tu sais, dans le sens, leur communion avec Dieu les amène à voir finalement comment on va aider les gens. D'autres, leur communion avec Dieu, ça va découler finalement comment enseigner pour amener les gens de plus en plus à saisir l'œuvre tout accomplie de Jésus-Christ. L'évangéliste, lui, quand il prie, il est toujours obsédé pour, OK, il faut, Seigneur, ouvre-moi des portes pour que je sorte l'évangile. Tu sais, c'est l'onction que le Seigneur donne. Un pasteur, c'est quelqu'un qui est concerné aussi comment les gens vivent dans l'Église, comment ça va. Le docteur, bien, c'est l'enseignant. Fait qu'on est une équipe. Et c'est comme ça, finalement, qu'on fait un corps. 2 Thessaloniciens, par rapport à, comme il dit finalement, un jour le Seigneur va détruire
l'Antéchrist. 2 Thessaloniciens 2, versets 2 à 9. Oh, c'est vrai, il fallait que je lise dans ma Bible. Excusez. Je n'ai pas écrit, c'est trop long. Comment? Okay, 2 Thessaloniciens, verset chapitre 2, verset 2 à 9. Il dit de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie arrive avant, auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retienne encore ait disparu. Alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Donc, la fin des temps, avant le retour de Christ, comme Paul nous le rappelle, c'est par l'apostasie. Puis je sais qu'à plusieurs périodes dans l'histoire de l'humanité, les chrétiens ont dû se demander, tu sais, on est-tu arrivé à la fin des temps à cause, je ne sais pas, des fois de la corruption de certaines institutions religieuses, ou même, je pense, les chrétiens, quand ils ont vu Hitler se mettre à persécuter de manière maladive les Juifs, ils ont dû se dire que non, c'est une antéchrist, hein, de s'attaquer comme ça aux Juifs. Mais, moi, je pense que c'est pour ça que notre vie de prière, d'intercession, comme on l'a fait, j'ai passé à côté aujourd'hui, là, ben, c'est d'apprendre à prier pour discerner la volonté de Dieu et en même temps de prier pour que le Seigneur nous ouvre des portes et de prier régulièrement pour l'Église pour pas qu'on s'endorme. Parce qu'on peut tomber dans une petite routine, puis à un moment donné, perdre un peu ce qui nous donne le zèle que produit l'Évangile. Fait que, mais c'est sûr que nous, quand on regarde nos temps, ben, ça commence à ressembler à Sodome et Gomorre. T'sais, puis même nos gouvernements là, se trouvent bien bons de faire mourir des enfants, d'encourager les vieux, de se faire euthanasier. Et tout ça pour nous rappeler qu'il y a le chiffre 666 derrière ça. Et le chiffre 666, c'est pas compliqué. Prenez une concordance, il y a un 666, un 666 dans la Bible, dans l'Ancien Testament. C'est un des trois péchés que Salomon a fait. Il ne devait pas rendre Jérusalem hyper prospère. Il faisait rentrer dans Jérusalem 666 talents d'or à chaque année. Et donc, vous allez remarquer que de plus en plus, on va quasiment vous demander si c'est justifiable de vous soigner. Puis ils vont vous proposer avec beaucoup de miséricorde, une fausse miséricorde. C'est drôle parce que tout ce qui est en train de se faire en ce moment, que notre gouvernement est en train de remplacer la mafia, eh bien, ils le font par compassion. Parce que bientôt, ça va être légaliser la prostitution, par compassion pour protéger les prostituées, là, tiens.
Et puis, il y a même une discussion de plus en plus de permettre bientôt de légaliser la pédophilie. En disant, ben les adolescents, ils ont le droit de coucher, ils ont le droit d'aimer avec, ils peuvent coucher avec qui ils veulent. Fait qu'ils vont baisser l'âge. Fait que c'est pour ça que le Seigneur puisse vraiment nous remplir de son esprit puis nous donner une intelligence face à une génération qui ne sera pas reposante. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas avoir de réveil. T'sais? À plein d'autres époques, il y a eu des temps très bas. Ça a pris juste une minorité de gens qui se sont intercédés dans une région et ça a éclaté des réveils. Et beaucoup de gens sont venus à la repentance et à la foi en Jésus-Christ. Et ça a même affecté la culture, positivement. Fait qu'on ne sait jamais, tiens. Le cinquième point, dans l'exécution de cette charge lui a été confiée, le Seigneur Jésus appelle en dehors du monde et à lui-même, par le ministère de sa parole et de son esprit, ceux que son Père lui a donnés, afin qu'ils marchent devant lui selon toutes les voies de l'obéissance et qu'il leur a prescrit dans sa parole. Et ceux qu'il a ainsi appelés, il leur commande de marcher ensemble dans des groupements particuliers ou églises pour l'édification mutuelle et la célébration requise du culte public qu'il exige d'eux dans ce monde. Donc, nos rassemblements sont vraiment ce que le Seigneur Jésus-Christ a demandé qu'on fasse. Donc, comme dans Jean 10, 16, il dit, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. » Là, il parle de la bergerie d'Israël. « Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il aura un seul troupeau, un seul berger. » Et ça, c'est quand même rassurant. Parce que prêcher l'Évangile, on n'a pas besoin de faire de pression sur personne. D'abord, on prie pour que le Seigneur nous ouvre des portes. Et puis, mais quand on prêche l'Évangile, le Seigneur a dit, « Mes brebis entendent ma voix. » Et puis, c'est comme ça que tous les élus se réveillent quand ils entendent l'Évangile. Parce que, comme Jésus le dit, « Nul ne vient à moins que le Père les amène. » C'est un mystère pour nous autres. Je sais que c'est ça choque bien du monde, qui veulent toujours protéger notre volonté, quasiment comme ça serait pure et solide. Ben, sous-estimons pas finalement la puissance du péché et la nature corrompue qu'on a eue en naissant dans la chair. Et c'est vraiment une grâce que Dieu nous a faite. J'aime bien l'expression dans Galates quand Paul dit « Il nous a arrachés du présent siècle mauvais. » Mais ce qui est encourageant dans tout ça, c'est qu'on aura participé à l'œuvre de Dieu. Et puis moi, je suis sûr qu'au jugement dernier, beaucoup de gens vont comparaître devant le Seigneur, être condamnés parce qu'ils ont négligé, refusé ou méprisé son salut, qu'ils ont entendu par des témoins. Et c'est pour ça que notre comportement de vie, c'est important qu'on fasse attention à comment on vit, pour ne pas leur donner des excuses pour justifier le rejet de l'Évangile. C'est comme au Québec aujourd'hui, on se sert énormément de ce que le gouvernement fédéral avait poussé l'Église catholique à faire pour détruire toutes les nations autochtones, pour prendre possession complètement de leur territoire. Puis aujourd'hui, ben, ils sont contents de mettre l'Église catholique comme un bouc émissaire. Mais malheureusement, l'Église catholique, comme l'Église anglicane, les églises très puissantes, très organisées, qui sont devenues trop politisées, bien, malheureusement, ils forcent l'Évangile sur les gens. Et puis malheureusement, l'Évangile, l'évangélisation, dans beaucoup de pays, a été une forme de colonisation. Mais ça ne doit pas être comme ça. Puis ça, c'est vraiment important, là, tu sais. De laisser finalement au Seigneur, c'est son action de sauver. C'est lui qui touche les gens. C'est lui qui donne la nouvelle vie. C'est lui qui déchire le voile. Comme Jésus a démontré tout le long de son ministère. Tu sais, quand il a appelé Lazare à la vie, à la résurrection,
C'est pour montrer « je suis la vie et la résurrection ». Ben, ce n'est pas Lazare que, dans sa volonté de mort, il a décidé de se lever pour obéir à Jésus. Il était mort. Puis de la même manière que quand il guérissait des gens, c'était pour toujours démontrer qu'est-ce qui nous empêche. Parce qu'il a dit « il était la vie et il était la lumière du monde. Il est venu dans les ténèbres. Et même chez les siens, ils ne l'ont pas reçu. » Et quand il guérissait surtout les aveugles, c'était pour montrer qu'il a beau être la lumière du monde, mais la lumière devant un aveugle, il ne voit pas, il voit rien. C'est pour ça que le gars qui avait été guéri, les pharisiens étaient en train de le passer au cache. Puis il dit non, ça c'est pas de Dieu ce qu'il a fait. Ben, il dit, moi je suis une chose, j'étais aveugle avant, maintenant je vois. Puis il a fait ça le jour du Shabbat. Mais c'était des maniaques de gens pratiquant des rituels pour être meilleurs que les autres. Ils ne comprenaient pas le rituel. Le Shabbat, c'était le Seigneur avait forcé le repos parce que c'était le but de l'Évangile qu'il avait promis depuis le début, de faire entrer un jour, parce que si on est sauvé, on est dans le repos de Dieu en ce moment. Il n'y a plus de guerre entre nous et lui. On est dans la paix, dans le repos. Et ça, c'est le vrai Shabbat. Et puis, il y avait deux, trois sortes de Shabbat. Il y avait un autre Shabbat. À chaque 7 ans, la 7e année, tu prenais une année de congé. Et Dieu était pour bénir ta terre la 6e année pour produire 2 ans, ou plus même, de récolte. Parce que quand tu vas replanter, finalement, après ton année de sabbatique, bien, il faut attendre que ça se récolte. Et puis aussi, à chaque 49 ans, il fallait effacer les dettes à tout le monde. Hey, ça ne serait pas le fun, ça? Hein? Que les banques nous effacent nos dettes d'un coup? Non, Dieu avait vraiment fait un système en Israël, mais malheureusement, que les gens qui contrôlaient, les dirigeants, les riches en Israël, ne respectaient pas ces choses-là. Parce qu'au contraire, plus quelqu'un prend du pouvoir, plus il va affaiblir ceux qu'il va diriger. Et puis, c'est pour ça qu'un jour, le Seigneur dit, « OK, je vais vous envoyer à Babylone pour 70 ans parce que vous n'avez pas respecté mes Shabbats. » Les fameux 49 ans, Fait que, mais c'est quand même impressionnant de savoir que c'est les religieux de son époque qui ont été les plus enragés contre Jésus. Mais Jésus leur dit, « C'est parce que je vous dis la vérité. Je vous montre que vos œuvres sont mauvaises. » Mais plutôt que de vouloir apprendre, il me semble qu'un gars comme Jésus, là, qui ressuscite des morts, qui guérit des aveugles, qui fait des miracles comme il peut, il me semble que tu l'écoutes un peu, me semble. Puis en plus, il était à l'époque promis. Parce qu'oubliez pas, dans Daniel, il était dit finalement quand est-ce que la période arriverait. Et même dans Ésaïe, quand le roi, là, tu sais, Cyrus, c'était pour faire reconstruire le temple à Jérusalem. Tu sais, il y avait plein d'indications. C'est pour ça que dans le temps de Jésus, il y avait aussi beaucoup de faux messies. Mais Jésus, c'était quand même quelqu'un d'assez impressionnant. Puis en plus, doux et très humble. Ce n'est pas un genre de conquérant militaire qui va tuer les gens. Il donne la vie. Il manifeste carrément la vraie image de Dieu. Et donc, c'est pour ça que nous, il faut demander au Seigneur, apprends-nous à marcher avec toi pour que, quand les gens nous voient vivre, on ne soit pas une contradiction dans notre manière de vivre du message qu'on annonce. Tu sais, c'est important, ça. Matthieu 18 nous rappelle, 15 à 20, « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. » Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 2 ou 3 personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. »
Ça, c'est un principe qui n'est pas si facile à comprendre quand même. Surtout nous autres en tant que pasteurs, en tant qu'anciens. Là. Tu vas voir la personne tout seul d'abord. S'il ne t'écoute pas, tu viens avec des témoins. Puis là, s'il ne veut rien savoir, bien, on est supposé de tout l'annoncer à l'Église comme qu'on le met en discipline. C'est pas reposant, ça, aujourd'hui. Parce que c'est à la mode de poursuivre. Sixième point. Les membres de ces églises sont saints en vertu de leur appel. Ils manifestent de façon visible et démontrent leur obéissance à cet appel du Christ dans et par leur profession de foi et leur conduite. Ils consentent librement à marcher ensemble selon l'ordre de Christ, s'abandonnant au Seigneur et l'un à l'autre par la volonté de Dieu en professant leur soumission aux ordonnances de l'Évangile. Donc, c'est pour ça dans Romains 1, 7, il dit « À tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » 1 Corinthiens 1, 2, il dit la même chose aux Corinthiens. « À l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom du Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. » Donc, c'est vraiment un point important parce que dans certaines dénominations, un saint, c'est une élite. C'est un pharisien plus. T'sais? Tandis que, encore une fois, ça comptait sur ses performances personnelles. Tandis que on est saint parce que le Saint-Esprit nous a séparés par Jésus-Christ pour Dieu Tout-Puissant. Et c'est pour ça qu'on doit apprendre à maintenant avoir un nouveau mode de vie en fonction de ne plus le monde, mais la grâce de Dieu dans nos vies. Je vous dis, c'est vraiment important de vivre de la grâce de Dieu, parce que vous vous rappelez quand Jésus a dit, tu sais, les mamans venaient amener les petits bébés là, à Jésus, puis ils étaient contents de les voir, puis les disciples, c'est une perte de temps, non, puis ils engueulaient les madames, « Allez-vous-en, allez-vous-en, allez-vous-en! » Puis là, Jésus s'est indigné, puis il les a arrêtés. Il dit, « Non, laissez-les venir. » Il dit, « Parce que le royaume de Dieu doit être reçu comme les enfants. » C'est le fun, parce qu'un enfant, ça vit de la pure grâce de ses parents. Hein? Tu sais, un petit enfant, là, il est capable d'avoir un cadeau de Noël. Es-tu capable d'en avoir un deuxième? Troisième? Puis quand on est des adultes, quelqu'un vient nous donner un cadeau. Oh non, non, merci. Non, non, non. On est tous mal à l'aise. Donc, il nous a montré que le royaume de Dieu est donné par pure grâce. Dieu nous a décidé de toute son éternité. C'est quand même intéressant. De toute l'éternité, Dieu a décidé de nous aimer. Il nous a toujours connus, même si on n'était même pas encore engendrés. On n'existait même pas. Mais lui, ça va être fascinant de le rencontrer bientôt, le Seigneur. Pas vrai? Écoute, c'est le seul vrai vivant par lui-même. Il possède tout. Il n'étudie pas. Il sait tout. Puis, il est en contrôle de tout. Et puis, c'est lui qui nous a adoptés par Jésus-Christ. Donc, on est ses bébés, ses enfants. C'est notre Père. Et il prend soin de nous autres. Donc, continuez à faire connaître vos besoins au Seigneur. Attendez-vous à lui. Ça ne veut pas dire d'être irresponsable dans notre vie. Mais on s'organise de plus en plus de toujours voir comment on va dépendre du Seigneur. Comment on va le connaître. Et de voir de plus en plus, il nous aime par pure grâce. Et ça, ça désamorce en nous toute forme d'orgueil et d'arrogance. Parce que tu es un petit enfant que ses parents aiment. T'sais? Je ne sais pas, les petits-enfants ne disent pas à leurs parents au souper, « Oh non, j'ai trop mangé, je m'excuse. » Nous, on sont capables de se pendre sur la porte du frigidaire et de dire, « Ah, il n'y a rien à manger ici. » »
Actes 5, 13, 14 dit « Et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement, les apôtres. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. » Donc, on voit que le Seigneur avait mis à part les apôtres, et puis il manifestait par eux la crédibilité de leur message, comme il est rappelé dans l'Épître aux Hébreux. Le Seigneur faisait des miracles par eux. Quand même fascinant, ça. Tu sais, des guérisons, il y a eu même des résurrections. Fait que, donc, c'est pour montrer que le Seigneur était avec eux, les messagers. Et puis le Saint-Esprit les avait oints d'une manière très particulière. Ce n'était pas juste la déduction de leur expérience qui parlait, c'était poussé par le Saint-Esprit qui parlait. Et c'est poussé par le Saint-Esprit qui ont écrit la parole. Ce n'est pas leur déduction naturelle à eux autres. Ça, c'est très important pour nous de comprendre le ministère que les apôtres ont eu, et c'est eux qui ont mis le fondement de l'Église, à savoir Jésus-Christ. Et après, l'apôtre Paul va nous dire, maintenant, que chacun de nous, maintenant, prenne garde comment on va bâtir sur ce fondement. Parce que s'il y a un fondement, c'est en vue de bâtir un édifice. On bâtit une vie. On bâtit une relation avec le Seigneur. T'es-tu toujours dans l'expectation des bâtiments, toi, là? Non? Je t'aurais demandé de nous checker, voir comment on bâtit nos affaires. On va prendre le dernier point, le 7. À chacune des églises ainsi rassemblées, selon sa pensée exprimée dans sa parole, le Seigneur a donné tout pouvoir et toute autorité qui sont en quelque manière nécessaires pour mettre à exécution l'ordre dans le culte et la discipline qu'il a institué pour qu'il les observe. Et dans ce but, il a pourvu de commandements et de règles qui lui permettent d'exercer dûment le pouvoir. Donc, on l'a lu, ça, Matthieu 18, tout à l'heure. Là. C'est sûr que si Dieu nous donne une responsabilité, bien, il faut être encore plus prudent, parce que les anciens, nous les anciens, comme il est marqué dans l'Épître aux Hébreux, on est responsable de veiller sur vous autres, de veiller sur le culte, de veiller sur la parole, qu'est-ce qui est enseigné, qu'est-ce qui se passe dans l'Église. Parce que quand il va venir nous chercher, quand on va mourir, on s'en va rendre compte comment on s'est occupé des gens. Fait que c'est pour ça, l'autre fois, je lui ai demandé de prier pour nous autres, s'il vous plaît, parce que c'est pas une petite job niaiseuse de rien, tu sais. Hein? Et puis, il y a des cas, des fois, dans l'Église qui ne sont pas reposants. Puis notre but, c'est toujours de voir comment on peut racheter la situation, comment on peut les ramener à Christ, si c'est possible. Mais si ce n'est pas possible, il va falloir les mettre dehors de l'Église. Puis je sais qu'on est dans une période aujourd'hui où tout le monde veut que ça soit, tout le monde veut faire ce qu'il veut. Mais en réalité, si on est croyant en Jésus-Christ par le Saint-Esprit, on fait la volonté de Dieu. On ne fait plus la volonté du monde, parce que le malin, c'est un menteur, et son mensonge chronique qui vomit dans notre tête tout le temps, c'est « t'es capable par toi-même, juge par toi-même, fais par toi-même, tu t'appartiens ». En réalité, vous vous rappelez que Paul a rappelé aux Corinthiens, « vous avez été racheté à un grand prix, vous ne vous appartenez plus ». Est-ce que vous réalisez en Israël pourquoi ils n'avaient pas le droit de vendre leur maison à perpétuité? Oh, c'est vraiment intéressant dans Lévitique, dans le Deutéronome, parce que le Seigneur dit, « Tu ne vends pas ton terrain, car tu es chez moi. » Il a fait une mentalité en Israël, « Tu n'es pas dans ta vie, puis tu n'es pas chez vous. Tu es dans la création que j'ai faite. Tu es chez moi. » Et nous, les chrétiens, c'est encore plus fort, parce qu'en plus, nous, on a été rachetés. Et c'est pour ça que même notre corps est sanctifié pour le Seigneur, car on est le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Et puis, c'est très important de ne pas vivre dans l'impudicité, de ne pas vivre dans toutes sortes de crimes, tu sais, parce qu'on est le temple du Seigneur.
T'sais? Et puis, n'oubliez pas, il faut se le rappeler entre nous autres, parce que, oui, l'œuvre est accomplie, si vous êtes racheté, vous ne pouvez plus être perdu. OK? Je me suis fait rentrer dedans pendant des années à la radio quand je parlais toujours de la sécurité éternelle. Mais là, la Pentecôte a changé maintenant. Puis le responsable de la Pentecôte me dit, quand on s'est rencontrés il y a quelques années, « Hey Jeff, tu n'es plus sa liste noire. » OK, merci. Parce que j'insistais sur, si vous êtes né de nouveau, comprenez c'est quoi naître de nouveau. C'est qu'en réalité, l'image, c'est le baptême. Quand on baptise quelqu'un, c'est que Jésus est mort pour nous. Maintenant, Dieu dit dans la parole, il ne pardonne pas le coupable. Ce n'est pas qu'il a fermé ses yeux qu'il nous a pardonnés. Il nous a mis dans la mort de Christ. En d'autres mots, il nous a tués. Notre sentence a eu lieu. Vous comprenez? La sentence a eu lieu et c'est pour ça qu'on la manifeste par le baptême. Tu as été mis dans la mort de Christ. Pour Dieu, là, dans ses livres, tu es mort. Le salaire du péché, c'est la mort. T'es mort. C'est pour ça qu'il va même dire aux Colossiens, n'oubliez pas, vous êtes mort. En réalité, c'est dans les livres de Dieu, ça, qu'on est mort, en Christ. Et vous êtes maintenant en nouveauté de vie. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit vient de la part de Jésus-Christ pour glorifier Christ par notre vie. Il vient glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus continue sa mission de sauver par nous autres. C'est pour ça qu'il le dit dans Matthieu 28, « Et je serai avec vous. » Il dit, « Allez dans toutes les nations, faites de toutes les nations des disciples, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Maintenant, je suis avec vous tous les jours. » Donc, c'est le Seigneur Jésus qui, par nous, c'est pour ça que notre consécration au Seigneur, notre sanctification est essentielle. C'est pour ça que même Paul va dire, « La volonté de Dieu pour vous, c'est votre sanctification. » Continuez à vous mettre à part pour le Seigneur. T'sais? Parce que le malin, c'est de rendre une église stérile. T'sais, un genre de petit club privé qui vient juste pour soi-même, puis le restant de ma semaine, c'est à moi, je vis ma vie, c'est moi. T'sais. En réalité, non, on ne vit pas pour nous autres, on est dans sa création. En plus, on est dans sa mission. Puis le Seigneur dit, maintenant, tu es mon petit frère, viens-t'en, je vais continuer à sauver par vous autres. Venez-vous-en. Puis c'est fascinant qu'est-ce qui peut arriver des fois. Moi, je me rappelle, il y a une fois, là, j'avais été avec Jean, c'était des amis de sa famille qui nous avaient demandé, parce que la jeune fille était tombée dans un genre de coma. T'sais, elle était assez jeune, elle avait peut-être 17-18 ans, je pense, à l'époque. T'sais. Puis ils nous avaient appelés. Bon, je ne les connaissais pas, fait que je m'en vais là avec Jean. T'sais. Puis... La madame a dit, ah, pensez-vous qu'il peut, tu sais, vous êtes chrétien, vous autres, vous êtes un pasteur, vous êtes pasteur, vous êtes... Ben oui, mais ça ne veut rien dire, ça. Mais, je m'en vais m'asseoir à côté de la jeune femme qui était dans une chaise longue, là, tu sais, dehors. Puis elle était, tu sais, dans le sens, c'est tout, tu sais, les... Je sais pas, quand, tu sais, les tendons sont tous... Tu sais, on en faisait pitié, je n'en revenais pas, tu sais. Fait que je la regarde, je me suis à côté d'elle. Puis, j'ai l'impression que le Seigneur veut que je prie pour elle. Mais avant de prier pour elle, de dire à toute la famille, écoutez, vous savez, Jésus a déjà fait des guérisons, hein? Mais ça ne veut pas dire que parce qu'il a fait des guérisons, les gens se sont tournés vers lui après. Puis, toute la famille dit, oh, si le bon Dieu fait ça, on va à l'église après. Non, non, mais écoutez, je vais juste vous le dire avant, là. M'a prié pour elle, OK? J'ai juste prié pour elle, bien simplement, Seigneur, écoute, je ne sais pas comment te dire, je ne suis pas médecin, moi, là. Tu peux-tu lui redonner sa vie? Et puis, en priant, j'ai eu l'impression que le Seigneur a dit, OK, dis-lui que je vais lui donner une période. Je vais lui redonner une période. Un an. OK. Fait que j'ai dit, bon. Fait que Seigneur, OK. Fait que je m'en vais, elle reste toujours, tu sais, en tout cas. Deux, trois jours plus tard, la mère appelle Mme de Courville, à capote bien raide. Parce qu'à un moment donné, la madame était dans la cuisine en train de préparer le déjeuner. Qui c'est qu'elle voit dans la porte de cuisine? Sa fille. « Hey, maman, qu'est-ce qui m'est arrivé? On dirait que je viens de me réveiller de je ne sais pas trop où. Puis j'ai fait des drôles de rêves. On dirait que j'ai rêvé à Jésus. Ah, ouais, tu sais. » Et puis là, elle dit, « Ben, il y a des gens qui sont venus prier pour toi. Ah, oui. Je peux-tu les rencontrer? » Fait que là, il m'appelle. Fait que je retourne là, tu sais.
on va m'asseoir, puis écoute, je ne reconnais pas personne, elle est toute bing, tu sais. Fait que, ben, je dis, regarde, le Seigneur te donne un temps, n'oublie pas, de toute façon, on est juste là, tout pour une saison. Mais regarde, le plus important, là, c'est sûr, c'est super que le Seigneur t'ait relevé de main, mais moi, je suis impressionné, tu sais, va te faire vérifier par le médecin pour savoir si ça a bien marché, parce que c'est pas, moi, je ne suis pas médecin, là, tu sais. Fait qu'elle dit, oui, justement, on a contacté mon médecin, il est venu me voir, puis il n'en revient pas, il ne comprend pas ce qui m'est arrivé. Mais je dis, regarde, je ne veux pas te faire peur. Mais le Seigneur m'a dit que c'était pour une période seulement, OK? Mais le plus important, demande au Seigneur de te sauver, parce que la vie éternelle, c'est un don. Un don, là, tu peux juste le recevoir. Tu veux-tu être sauvé? Tu veux-tu que le Seigneur Jésus-Christ paye ta dette? Ben oui, OK, ben oui, j'ai fait des rêves de lui. Mais ça, je le voyais dans mes rêves, des fois. Ben, j'écoute, il t'a visité. Tu vas lui demander tout de suite qu'il te sauve. OK? Ah oui, oui, OK. Fait qu'on a prié ensemble, elle a dit, Seigneur, peux-tu me sauver? Parce que, écoute, si tu donnes la vie éternelle, ben c'est sûr, sauve-moi parce que je suis perdu. Je t'avais de repartir, de toute façon. Et puis, sa mère est venue la voir, elle dit, non, t'as pas le temps d'aller à l'église, là. T'sais, non, on va aller refaire du ski, là. Faut que tu reprofites de la vie, Elle a tout fait pour pas que sa fille vienne à l'église. Un an plus tard, elle est morte d'un coup, bing. T'sais? Puis j'étais au salon funéraire, puis je me rappelle, je voyais des gens dans le salon funéraire qui disaient, hey, si Dieu existe, t'es un écœurant, il l'a fait mourir, tu sais, jeune, les gars. Là, je voulais pas m'énerver, tu sais, en disant. Mais je suis content qu'elle est sauvée. J'espère que ça a travaillé le restant de la famille après. Tu sais, j'en revenais pas, tu sais. C'est des phénomènes que. C'est pas nous autres qui fait ça, là. C'est le Seigneur qui fait ça. Il nous utilise parce qu'il dit, je vais être avec vous. C'est pour ça que notre sanctification, c'est fondamental. Parce qu'on peut déplaire au Seigneur. Comme Paul dit, on peut avoir un comportement pour plaire au Seigneur, répondant à l'amour qu'il nous manifeste, pour dire, OK, je vais te suivre. Tiens, je suis reconnaissant. Puis on organise toutes nos vies. Et puis je vous le dis, n'ayez pas peur de perdre pour le Seigneur, parce que tout ce que vous allez perdre, vous allez en gagner 100 fois plus. Moi, là, quand le Seigneur me dit, tu lâches ta job à l'hydro, là, tu sais, OK. Ce n'est même pas un sacrifice. Ce n'est pas un sacrifice pour tout. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Quand Dieu appelle quelqu'un, il donne le désir aussi. Bon, OK. Après, tu es resté dans un petit appartement tchipette, là, pas de problème. T'sais. On a arrangé la toilette quand elle a défoncé, puis elle s'est remboursée chez le voisin. Mais je regarde où Dieu m'a amené aujourd'hui, j'en reviens pas. Ça va? Comme il dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. Puis ici, de toute façon, ce qu'il nous donne, c'est comme si tu rappelles-toi ce que je te donne ici, là, tu vas, à un moment donné, tu vas tout laisser. Là. Mais quand on va rentrer chez nous, chez celui qui nous a rachetés, celui qui en plus, il nous prend par la main, viens-t'en, je vais continuer à faire mon œuvre, viens-t'en avec nous autres. C'est ça l'Église. On va continuer à marcher avec le Seigneur, mais chacun selon les dons que Dieu nous donne. Ce n'est pas one size fit all. Tu sais, c'est pas, on est tous pareils. On est une équipe complémentaire. Et c'est fascinant. Je vous le dis, c'est. Puis, je ne sais pas. Mourir pour nous autres, c'est un gain. Je sais qu'on est. On va être un peu nerveux quand ça va être le temps d'arriver. Là. On ne sait pas trop, là, mais quand même, on est adopté par Dieu. N'ayez pas peur de vos besoins, de vos problèmes, de vos défis. C'est des rendez-vous que le Seigneur nous donne. Et c'est là qu'on apprend à plus se tourner vers nos anciennes idoles pour régler nos problèmes. On va apprendre, selon ce que le Seigneur nous a dit dans sa parole, comment on dépend de lui. Et plus on va vivre ça, plus notre foi va devenir concrète, une réalité. Et quand vous allez témoigner, là, les gens vont vous écouter quand ils disent, si bon, il a l'air à y croire pour vrai cette affaire-là, lui, là, t'sais. T'sais. Puis moi, je ramasse des histoires, puis souvent je dis au Seigneur, oh wow, un autre problème, c'est le fun. Une nouvelle histoire qui s'en vient. Ça va être le fun. Donc, c'est pour ça que l'Église, c'est vraiment très, très important qu'ensemble, on s'édifie et puis qu'on s'encourage. Dieu voulant, la semaine prochaine. Ah non, il n'y a pas de quoi la semaine prochaine, hein? L'autre semaine après, on fera le point 9, OK? Ça va?
Vous n'êtes pas trop traumatisé, d'abord? OK. On remet ça au Seigneur, OK? Fait que Seigneur, on veut te remercier énormément d'un amour, parce que tu dis que tu es amour et que tu nous as aimés, choisis de toute l'éternité. Seigneur, c'est comme un mystère pour nous autres, ça. Mais en même temps, Seigneur Jésus, tu es notre grand frère parce que tu es la deuxième personne de la Trinité. Et dans la Trinité, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et toi, le Fils, t'as été donné, tu t'es incarné, tu as vécu une vraie vie humaine comme la nôtre. Et tu nous as montré le modèle. Tu as dépendu de ton Père en humain. Toi qui étais pourtant Dieu, tu n'as pas utilisé ta puissance personnelle. Tu as marché dans la volonté de ton Père. Tu as donné les paroles de ton Père. Fait que Seigneur Jésus, comme tu as été envoyé, tu dis maintenant, tu nous as envoyés. Alors, en tant qu'Église, s'il vous plaît, rends-nous conscients, très, Seigneur, très attentifs à ta volonté. Prends-nous par la main, Seigneur, parce que tu sais, des fois, là, il y a tellement de distractions qu'on peut passer à côté, des fois. Prends-nous par la main, puis amène-nous avec toi, puis continue à racheter tous ceux que tu es venu sauver. Et puis, en même temps, que tu puisses donner des dons à chacun de nous particuliers. Comment s'édifier les uns les autres, comment arriver à maturité. Comment, surtout, notre premier champ de mission, bien, c'est notre famille, nos enfants. Que nos enfants puissent nous voir vivre dépendants de toi et qu'ils puissent réaliser que ce n'est pas juste une religion, c'est vraiment une relation rétablie avec toi, Seigneur Jésus, et qu'on leur apprenne à tous nos enfants dans l'Église comment tu nous aimes. Et puis, ils peuvent te faire confiance, leur apprendre à prier. S'il vous plaît, Seigneur Dieu. Puis qu'en même temps, on rayonne vers l'extérieur comme de plus en plus on est en train de s'organiser pour le faire. Merci, Père, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Merci d'être venu, d'être dans les suites.